ce type que le doc a loué l'appartement de Marble Street. Et si c'était lui le tueur aux origami? Je suis prête à tout. Enfin, je crois. Le barman. Il pourra me dire où se trouve Paco. Si ce Paco est un copain du doc, je ferai bien me méfier. Paco Mendes. Le type à qui le doc a prêté l'appartement où Ethan devait se trancher le doigt. Un type pas recommandable à ce qu'on m'a dit. Il faut que je le trouve pour lui poser quelques questions. Tout va bien se passer. Je trouve ce type, je lui pose 3 questions et je décampe d'ici. J'ai rien contre la techno, mais celle-là est un peu forte. Je me suis pas encore remise de ma rencontre avec le doc. Il pourra me dire où se trouve Paco. Une boîte où la jet set vient pour s'amuser. Pas vraiment le genre d'endroit où je traîne d'habitude. Le barman. Il pourra me dire où se trouve Paco. Je change de stratégie si je veux parler à Paco. Il faut que je trouve un endroit pour le changer. Le gorille de Paco ne laisse entrer personne. Il va falloir que je trouve autre chose. Peut-être qu'en dansant pas loin de lui, je pourrais attirer son attention. Je veux attirer l'attention de ce type. Il ne va falloir que je me rende un peu plus sexy. Il faut que je trouve un endroit tranquille pour me changer.
Le moment est venu de jouer la bimbo. Maintenant que je suis déguisée en bimbo, il ne me reste plus qu'à danser langoureusement pas loin de Paco et attendre qu'il me voie. J'ai l'impression que tout le monde me regarde. En même temps, l'objectif n'était pas d'être discrète. Je suis vraiment prête à faire n'importe quoi pour obtenir une information quand j'y pense. Paco, mon ami, on va voir si t'es capable de résister à ça. Ça marchera jamais. Paco ne tombera jamais dans le panneau. Remarque, un mec qui porte une veste pareille est capable de tout. Bon, maintenant retournez danser devant Paco. On va bien voir s'il ne remarque pas. Déjà remarqué, sinon, m'appelle Paco, tu vois?
Madison. Je m'appelle Madison. Ah, j'aime beaucoup ta façon de danser, Madison. Et je te trouve aussi très sexy. Nous pourrions peut-être continuer cette conversation dans un endroit plus privé. Oh, bien sûr, poupée. Viens, suis-moi. Je rentre, je lui fais cracher le morceau et je me tire vite fait avant qu'il ameute ses gardes. Tout va bien se passer. Bien. Voilà, bienvenue dans mon petit royaume. File-moi ça. Crois-moi. On n'aura pas besoin, ma jolie. Vas-y, montre-moi ce que tu sais faire. Allez, vas-y, dessape-toi. Enlève tout ça, bébé. En fait, je crois qu'on s'est mal compris. Voilà tout. Je vais y aller. Je suis désolée. Une prochaine fois, peut-être. Crois plutôt que c'est toi qui as mal compris, chérie. J'aime pas perdre mon temps. Alors maintenant, une fois poil ou je te refroidis. Tu m'as bien compris? La lampe. Si seulement je pouvais trouver un moyen de l'attraper. Je crois que j'ai trouvé. Que je faisais de l'effet. Mais pas à ce point-là. Bon, maintenant il faut le réveiller. J'espère que j'ai pas tapé trop fort avec la lampe. Si t'essaies de crier, je te descends. Pigé ?
Merde. Qu'est-ce que tu me veux ? Tu loues un appartement sur Marble Street. Je veux savoir pourquoi. Un appartement ? Je vois pas du tout de quoi tu parles. Eh, pas mal du tout. Si tu crois que tu vas me faire parler comme ça, tu rêves, poupée. T'as pas le cran de me coller une bastos. Dommage, parce que quand je t'aurai retrouvé, moi j'hésiterai pas. Paco ? Est-ce que tu vas bien ? Oui ? Où est Paco ? Désolé, il ne peut pas vraiment répondre, là. Il est... bâillonné et attaché sur le lit. Oh ! Je vois. Ah ! Si tu tiens vraiment à tes couilles, Paco, tu ferais mieux de cracher le morceau. Qu'est-ce que tu fais ? Arrête ! Arrête ! J'arrêterai quand tu m'auras dit ce que je veux savoir. J'ai jamais foutu les pieds dans cette porte ! J'ai filé les clés à un type. Il cherchait un endroit. Il avait de quoi payer. Comment il s'appelle, ce type ? Je sais plus, je le jure. Shepard ! Il s'appelle John Shepard, c'est tout ce que je sais, je le jure. Oh. Eh ben voilà, c'était pas si difficile. Bon, désolé de ne pas terminer cette charmante soirée avec toi. Mais il faut que j'y aille. Un de ces jours, mon grand. Il est temps que je dégage d'ici. Je commence à avoir un sérieux mal de crâne. Ethan, est-ce que ça va ?
Je n'ai pas pu. Je devais le tuer pour sauver Sean. Mais je n'ai pas pu. Vous n'êtes pas le tueur aux origamis, Ethan. Vous n'êtes pour rien dans tout ça. J'en ai la preuve. Qu'est-ce que ça change ? Tout ce qui compte maintenant, c'est de sauver Sean. Thank you.
J'ai déjà perdu trop de temps. Il faut que j'accomplisse la dernière épreuve. Peut-être que dans d'autres circonstances, ça aurait pu coller entre nous. Plus qu'un origami, et je retrouverai mon fils. C'est la seule personne en qui je peux avoir confiance. Mais ce que j'ai à faire maintenant, je dois le faire seul. Elle dort encore. Pas d'adieu, pas d'explication. Je vais partir avant qu'elle se réveille. J'aurais dû deviner. Pendant tout ce temps, je n'ai rien vu. Ethan, qu'est-ce qui se passe? Je pensais que tu ressentais quelque chose pour moi. Écoute, je... Alors que tu n'étais qu'une putain de journaliste! Ethan, je voulais tout avouer, mais... C'est quoi l'article que tu voulais écrire? Ma vie avec un tueur en série? Ou comment j'ai fait arrêter le tueur aux origamis? Peut-être que t'écriras un best-seller. J'espère que ça valait le coup! Ethan, ce n'est pas ce que tu crois, je... Tu m'as menti, Madison. Pendant tout ce temps, tu m'as menti. Je pensais que tu voulais m'aider, mais toi, tu pensais qu'à ton putain d'article! C'est vrai. Je suis une journaliste. Je savais que tu étais le père du gamin qui avait disparu, et... je voulais couvrir l'affaire. Puis, j'ai vu ce que tu endurais pour sauver ton fils. Et je... J'ai compris combien tu l'aimais. Plusieurs fois, j'ai voulu te dire la vérité. Mais j'ai pas pu. J'ai eu peur que... Que tu ne me crois pas. Que tu me demandes de partir. Tout ce que je veux, c'est que tu retrouves ton fils vivant. Et quand tout sera terminé, je veux rester avec toi. Je suis désolée, Ethan. Tellement désolée. Tu vas repartir. C'est ça? C'est le dernier origami.
les dernières lettres et je saurai où est Sean. Fais attention à toi. Je ne veux pas te perdre. Je vais chercher quelque chose à manger. Attends-moi, je reviens dans 10 minutes. Maintenant, il faut qu'on retrouve son fils. Et je crois que je sais par où commencer. Jam, je crois que je suis vraiment amoureuse. J'ai eu tellement peur qu'il ne me croie pas. J'ai été stupide. J'aurais dû tout lui avouer avant. On va retrouver son fils et prouver son innocence. Maintenant qu'il sait qui je suis, je vais pouvoir l'aider. Les flics, ils sont venus pour Ethan. Ils vont cerner la chambre et donner l'assaut. Merde, c'était quoi déjà le numéro ? Il faut que tu partes tout de suite. Il s'enfuit! Attrapez-le! Il se barre par le balcon. Restez calme. Tout va bien se passer. Il n'y a pas d'autre issue. Oh merde!
Je suis désolé, Scott. Vous auriez dû m'écouter, Monsieur Shelby. Je vous avais dit de laisser tomber cette enquête. Votre fils est un tueur en série. Combien de personnes faut-il encore qu'il tue pour que vous le dénonciez ? Gordy a ses défauts, mais c'est mon fils. Vous n'avez pas d'enfant, Monsieur Shelby. Vous ne pouvez pas comprendre. Vous ne me laissez pas le choix. Je vais devoir clore votre enquête. Oh ! Définitivement. Thank you.
payer pour ce qu'ils ont fait. Je vais buter cette ordure. N'approchez pas où je tire! Les enfoirés! Pitié, ne... Salopard! À cause de toi, Lorraine est morte! Arrêtez! Arrêtez, je vous en prie! C'est ton taré de fils qui a tué ses enfants. C'est lui le tueur aux origami. Non, non, il est innocent. C'est pas un assassin. C'est pas un assassin. Espèce d'enfoiré, tu vas me dire la vérité. Non, je vous en prie, ne me faites pas de mal. Dernière chance. Je sais rien, je le jure. Je sais rien du tout. Arrêtez, arrêtez. Je vous en supplie. Je vais vous dire tout ce que je sais. Gordy, il voulait juste s'amuser. Il voulait copier le tueur aux origami. Il a enlevé ce gamin. Il lui a mis la tête sous l'eau un peu trop longtemps. C'était un accident. Un regrettable accident. Il voulait juste jouer. Il m'a avoué. Il était en larmes. Il regrettait tellement ce qui s'était passé. Quoi qu'il ait fait, Gordy... Gordy est mon fils. Personne ne le regrettera. Quoi ? Le petit gars que Gordy a tué ne manquera à personne. Un pauvre nègre, comme il y en a des milliers. Ah, t'es qu'une putain d'ordure. Et John Shepard, pourquoi est-ce que tu fleuris la tombe de ce gamin ? J'étais propriétaire du chantier où il est mort. Je n'ai jamais oublié. Ça fait maintenant 30 ans que je fleuris sa tombe. Et le frère jumeau de John, qu'est-ce qu'il est devenu ? Je ne sais pas. Il a été adopté, je crois. Sa mère. Sa mère doit savoir. Elle s'appelle Anne. Anne Shepard. Cette fille, Lorraine, ce n'était qu'une putain. Vous l'oublierez vite. Venez travailler pour moi, Shelby. Je vous paierai bien.
Vous aurez toutes les filles que vous voudrez. Ne prononce plus jamais ce nom. Tu m'as entendu? Jamais. Sauver la vie. Je le regrette déjà.